Je m'appelle Nicolas Chevret, je suis enseignant d'EPS au collège Vinci de Chassieux. Alors cette année, nous avons lancé le projet Cadet de la Sécurité Civile. Les Cadets de la Sécurité Civile, c'est un partenariat entre le SDMIS, Service Départemental Métropolitain d'Incendie et de Secours, et l'Éducation Nationale. L'idée est de former nos élèves de collège aux valeurs de la République, de les former à des notions de secourisme, de les former à des notions d'incendie, de manière à pouvoir en faire des élèves ressources au sein du collège et ailleurs. Aujourd'hui, au sein de notre section des cadets de la sécurité civile, nous avons 14 élèves. Nous avons 7 filles et 7 garçons. Je m'appelle Albert Dougo, je suis élève au collège de Léonard de Vinci en 5e D. Je suis Louis de Villers. Je suis donc cadet de la sécurité civile en 3e au collège Léonard de Vinci à Chassieux. Je m'appelle Maxime Brière, je suis élève au collège Léonard de Vinci, je suis cadet de la sécurité civile. Alors j'ai souhaité devenir cadet afin de pouvoir apprendre à secourir des personnes en détresse et afin de porter donc les valeurs associées aux cadets. Donc bien sûr l'entraide, afin de secourir autrui, dévouement envers les personnes en danger. Ça m'a semblé très important de connaître toutes les procédures, ce qu'il fallait faire, comment s'adresser aux pompiers en cas d'urgence, faire toutes les formations aussi. Alors très concrètement, il y a eu une formation initiale de 30 heures, 30 heures pendant lesquelles nous avons abordé des notions de secourisme, des notions d'incendie, nous avons abordé les valeurs de la République. Ensuite, les élèves ont aussi passé leur PSC1, c'est leur diplôme de premier secours citoyen de niveau 1. Une fois que les élèves ont été formés de manière initiale, nous avons pu participer à différents événements de manière à vivre en acte ces valeurs citoyennes. Alors je donne des exemples. L'idée, c'est de pouvoir aider sur des postes de secours. Voilà, les cadets de la sécurité civile ne sont pas les postes de secours, mais peuvent aider à faire de la prévention, à faire de l'encadrement, à donner des conseils sur la nutrition. Voilà, c'est une chose, c'est un rôle justement que nos jeunes cadets ont pu expérimenter au sein de l'Union nationale du sport scolaire, le sport de notre mercredi après-midi. Je suis intervenu sur un événement lors de la journée des droits des femmes au stade de Gerland, afin donc d'encadrer une course. J'ai pu aider une ou plusieurs personnes en détresse afin de leur donner la bonne conduite à suivre suite à un malaise. Donc suite à un petit malaise, par exemple à la suite d'une course, bien sûr il faut toujours rester allongé, reprendre son souffle et toujours rester présente aux côtés de la personne en détresse. Donc mon but était d'encadrer l'événement afin d'assurer une sécurité optimale des participants. Les trois prochains événements pour les cadets sont un goûter aux roses trémières en mai, le championnat de France de step et la bourse aux vêtements avec Chassieux Solidarité. Et l'idée est de pouvoir mettre en relation nos générations. Comme je vous disais, les cadets de la sécurité civile, c'est avant tout des valeurs. Et faire vivre ces valeurs, c'est être au contact de sa population. On forme des cadets du collège Vinci, mais on forme surtout les citoyens de la ville de demain, les citoyens de Chassieux.